Je peux le dire ici, bien que je ne susse pas alors ce qui ne devait arriver que dans la suite. Certes, il est plus raisonnable de sacrifier sa vie aux femmes qu'au timbre-poste, aux vieilles tabatières, même aux tableaux et aux statues. Seulement l'exemple des autres collections devrait nous avertir de changer, de n'avoir pas une seule femme, mais beaucoup. Ces mélanges charmants qu'une jeune fille fait avec une plage, avec la chevelure tressée d'une statue d'église, avec une estampe, avec tout ce à cause de quoi on aime en l'une d'elles chaque fois qu'elle entre, un tableau charmant, ces mélanges ne sont pas très stables. Vivez tout à fait avec la femme et vous ne verrez plus rien de ce qui vous l'a fait aimer. Certes, les deux éléments désunis, la jalousie peut à nouveau les rejoindre. Si, après un long temps de vie commune, je devais finir par ne plus voir en Albertine qu'une femme ordinaire, quelque intrigue d'elle avec un être qu'elle eût aimé à Balbec peut-être suffi pour réincorporer en elle et amalgamer la plage et le déferlement du flot. Seulement ces mélanges secondaires ne ravissent plus les yeux. C'est notre cœur qui sont sensibles et funestes. On ne peut sous une forme si dangereuse trouver souhaitable le renouvellement du miracle. Mais non, j'anticipe les années. Et je dois seulement ici regretter de n'être pas restée assez sage pour avoir eu simplement ma collection de femmes comme... On a des lorgnettes anciennes, jamais assez nombreuses derrière une vitrine, où toujours une place vide attend une lorgnette nouvelle et rare. Contrairement à l'ordre habituel de ces villégiatures, cette année, elle venait directement de Balbec, et encore y était-elle restée bien moins tard que d'habitude. Il y avait longtemps que je ne l'avais vue. Et comme je ne connaissais pas, même de nom, les personnes qu'elle fréquentait à Paris, je ne savais rien d'elle pendant les périodes où elle restait sans venir me voir. Celle-ci était souvent assez longue. Puis un beau jour surgissait brusquement Albertine, dont les roses apparitions et les silencieuses visites me renseignaient assez peu sur ce qu'elle avait pu faire dans leur intervalle, qui restait plongée dans cette obscurité de sa vie, que mes yeux ne se souciaient guère de percer. Cette fois-ci pourtant, certains signes semblaient indiquer que des choses nouvelles avaient dû se passer dans cette vie. Mais il fallait peut-être tout simplement induire d'eux qu'on change très vite à l'âge qu'avait Albertine. Par exemple, son intelligence se montrait mieux. Et quand je lui reparlais du jour où elle avait mis tant d'ardeur à imposer son idée de faire écrire par Sophocle « Mon cher Racine », elle fut la première à rire de bon cœur. « Mais c'est André qui avait raison. Si j'étais stupide, dit-elle, il fallait que Sophocle écrive « Monsieur ». Je lui répondis que le « Monsieur » et le « cher Monsieur » d'André n'étaient pas moins comiques que son « mon cher Racine » à elle et le « mon cher ami » de Gisèle. Mais qu'il n'y avait au fond de stupide que des professeurs faisant encore adresser par Sophocle une lettre à Racine. Là, Albertine ne me suivit plus. Elle ne voyait pas ce que cela avait de bête. Oui, son intelligence s'entr'ouvrait, mais n'était pas très développée. Il y avait des nouveautés plus attirantes en elle. Je sentais dans la même jolie fille qui venait de s'asseoir près de mon lit quelque chose de différent. Et dans ces lignes qui, dans le regard et les traits du visage, expriment la volonté habituelle, un changement de front, une demi-conversation, comme si avaient été détruites ces résistances contre lesquelles je m'étais brisée à Balbec. Un soir déjà lointain,
Nous formions un couple symétrique, mais inverse de celui de l'après-midi actuel, puisqu'alors c'était elle qui était couchée et moi à côté de son lit. Voulant et n'osant m'assurer si maintenant elle se laisserait embrasser, chaque fois qu'elle se levait pour partir, je lui demandais de rester encore. C'était pas très facile à obtenir, car bien qu'elle n'eût rien à faire sans cela, elle eût bondi au dehors. Elle était une personne exacte et d'ailleurs peu aimable avec moi, ne semblant guère se plaire dans ma compagnie. Pourtant, chaque fois, après avoir regardé sa montre, elle se rasseyait à ma prière, de sorte qu'elle avait passé plusieurs heures avec moi sans que je lui eusse rien demandé. Les phrases que je lui disais se rattachaient à celles que je lui avais dites pendant les heures précédentes et ne rejoignaient en rien à quoi je pensais, ce que je désirais. Je restais indéfiniment parallèle. Il n'y a rien comme le désir pour empêcher les choses qu'on dit d'avoir aucune ressemblance avec ce qu'on a dans la pensée. Le temps presse et pourtant, il semble qu'on veuille gagner du temps en parlant de sujets absolument étrangers à celui qui nous préoccupe. On cause alors que la phrase qu'on voudrait prononcer serait déjà accompagnée d'un geste, à supposer même que pour se donner le plaisir de l'immédiat et assouvir la curiosité qu'on éprouve à l'égard des réactions qui l'amènera à s'en maudire sans demander aucune permission, on n'est pas fait ce geste. Certes, je n'aimais nullement Albertine, fille de la brume du dehors. Elle pouvait seulement contenter le désir imaginatif que le temps nouveau avait éveillé en moi et qui était intermédiaire entre les désirs que peuvent satisfaire d'une part les arts de la cuisine et ceux de la sculpture monumentale, car il me faisait rêver à la fois de mêler à ma chair une manière différente et chaude et d'attacher par quelques points à mon corps étendu un corps divergent, comme le corps d'Ève tenait à peine par les pieds à la hanche d'Adam, ce corps duquel elle était presque perpendiculaire dans ces bas-reliefs romans de la cathédrale de Baalbek, qui figurent d'une façon si noble et si paisible, presque encore comme une frise antique, la création de la femme. Dieu y est, partout suivi comme par deux ministres, de deux petits anges, dans lesquels on reconnaît telles ces créatures ailées et tourbillonnantes de l'été que l'hiver a surprise et épargnée, des amours d'Herculanum, encore en vie en plein XIIIe siècle, et traînant leur dernier vol, là, mais ne manquant pas à la grâce qu'on peut attendre d'eux sur toute la façade du porche. Or ce plaisir, qui, en accomplissant mon désir, me délivrait de cette rêverie, et que j'eusse tout aussi volontiers cherché en n'importe quelle autre jolie femme, si l'on m'avait demandé sur quoi, au cours de ce bavardage interminable où je taisais Albertine la seule chose à laquelle je pensasse, se basait mon hypothèse optimiste au sujet des complaisances possibles. J'aurais peut-être répondu que cette hypothèse était due, tandis que les traits oubliés de la voix d'Albertine redescendaient pour moi le contour de sa personnalité, à l'apparition de certains mots qui ne faisaient pas partie de son vocabulaire, au moins dans l'acception qu'elle leur donnait maintenant. Comme si elle me disait
qu'Elzire était bête, je me récriais. « Non mais, vous ne me comprenez pas, répliqua-t-elle en souriant, je veux dire qu'il a été bête en cette circonstance-là, mais je sais parfaitement que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. » De même pour dire du golfe de Fontainebleau qu'il était élégant, elle déclara « C'est tout à fait une sélection. » À propos d'un duel que j'avais eu, elle me dit de mes témoins, ce sont des témoins de choix. En regardant ma figure, avoua qu'elle aimerait me voir porter la moustache. Elle alla même, et mes chances me parurent alors très grandes, jusqu'à prononcer termes que je l'eusse juré, elle ignorait l'année précédente. Que depuis qu'elle avait vu Gisèle, il s'était passé un certain laps de temps. Bon, ce n'est pas qu'Albertine ne possédât déjà, quand j'étais à Balbec, un lot très sortable de ces expressions qui décèlent immédiatement qu'on est issu d'une famille aisée et que d'année en année, une mère abandonne à sa fille. Comme elle lui donne, au fur et à mesure qu'elle grandit, dans les circonstances importantes, ses propres bijoux. On avait senti qu'Albertine avait cessé d'être une petite enfant quand un jour, pour remercier d'un cadeau qu'une étrangère lui avait fait, elle avait répondu « Je suis confuse ». Madame Bontemps n'avait pu s'empêcher de regarder son mari, qui avait répondu « Dame, elle va sur ses 14 ans. » La nubilité plus accentuée s'était marquée quand Albertine, parlant d'une jeune fille qui avait mauvaise façon, avait dit « On ne peut même pas distinguer si elle est jolie, elle a un pied de rouge sur la figure. » Enfin, quoique jeune fille encore, elle prenait déjà des façons de femme, de son milieu et de son rang. Disant, si quelqu'un faisait des grimaces, je ne peux pas le voir parce que j'ai envie d'en faire aussi. Ou alors si on s'amusait à des imitations. Le plus drôle quand vous la contrefaites, c'est que vous lui ressemblez. Tout cela est tiré du trésor social. Mais justement, le milieu d'Albertine ne me paraissait pas pouvoir lui fournir distingué. Dans le sens où mon père disait de tel de ses collègues qu'il ne connaissait pas encore et dont on lui vantait la grande intelligence, oui, il paraît que c'est quelqu'un de tout à fait distingué. Sélection, même pour le golf, me parut aussi incompatible avec la famille Simonet qu'il le serait, accompagné de l'adjectif naturel, avec un texte antérieur de plusieurs siècles aux travaux de Darwin. Laps de temps me sembla de meilleur augure encore. Enfin, m'apparut l'évidence de bouleversements que je ne connaissais pas, mais propre à autoriser pour moi toutes les espérances. Quand Albertine me dit, avec la satisfaction d'une personne dont l'opinion n'est pas indifférente, c'est, à mon sens, ce qui pouvait arriver de mieux. J'estime que c'est la meilleure solution, c'est la solution élégante. C'était si nouveau, si visiblement une alluvion laissant soupçonner de si capricieux détours à travers des terrains jadis inconnus d'elle, que, dès les mots « à mon sens », j'attirai Albertine. Et à « j'estime », je l'assis sur mon lit. Bon, sans doute il arrive que des femmes peu cultivées, épousant un homme fort lettré, reçoivent dans leur rapport total de telles expressions. Et peu après la métamorphose qui suit la nuit de noces, quand elles font leur visite et sont réservées avec leurs anciennes amies, on remarque avec étonnement qu'elles sont devenues femmes si, en décrétant qu'une personne est intelligente, elles mettent deux L au mot intelligente,
Mais cela est justement le signe d'un changement. Et il me semblait qu'il y avait un monde entre les expressions actuelles et le vocabulaire de l'Albertine que j'avais connue à Balbec. C'est celui où les plus grandes hardiesses étaient de dire d'une personne bizarre « Ah, c'est un type !» Ou si on proposait à Albertine de jouer « Je n'ai pas d'argent à perdre !» Ou encore si telle de ses amies lui faisait un reproche qu'elle ne trouvait pas justifié. « Ah, vraiment, je te trouve magnifique !» Phrase dictée dans ces cas-là par une sorte de tradition bourgeoise, presque aussi ancienne que le Magnificat lui-même. Et qu'une jeune fille un peu en colère et sûre de son droit emploie ce qu'on appelle tout naturellement, c'est-à-dire parce qu'elle les a apprises de sa mère, comme à faire sa prière, ou à saluer. Toutes celles-là, Madame Bontemps les lui avait apprises, en même temps que la haine des Juifs, et que l'estime pour le noir, où l'on est toujours convenable et comme il faut. Même sans que Madame Bontemps le lui ait formellement enseigné, mais comme ce modèle au gazouillement des parents chardonnerets, celui des petits chardonnerets récemment nés, de sorte qu'ils deviennent de vrais chardonnerets eux-mêmes. Malgré tout, sélection me parut halogène et j'estime encourageant. Albertine n'était plus la même, donc elle n'agirait peut-être pas, ne réagirait pas de même. Non seulement je n'avais plus d'amour pour elle, mais je n'avais même plus à craindre, comme j'aurais pu à Balbec, de briser en elle une amitié pour moi qui n'existait plus. Il n'y avait aucun doute que je lui fusse depuis longtemps devenu fort indifférent. Je me rendais compte que pour elle, je ne faisais plus du tout partie de la petite bande à laquelle j'avais autrefois tant cherché, j'avais ensuite été si heureux de réussir à être agrégé. Puis, comme elle n'avait plus, même plus comme à Balbec, un air de franchise et de bonté, je n'éprouvais plus de grands scrupules. Pourtant, je crois que ce qui me décida fut une dernière découverte philologique. Comme continuant à ajouter un nouvel anneau à la chaîne extérieure de propos sous laquelle je cachais mon désir intime, je parlais, tout en ayant maintenant Albertine au coin de mon lit, d'une des petites filles de la bande, plus menue que les autres, mais que je trouvais tout de même assez jolie. « Oui, me répondit Albertine, elle a l'air d'une petite mousmée. » De toute évidence, quand j'avais connu Albertine, le mot de mousmée lui était inconnu. Et il est vraisemblable que si les choses suivaient leur cours normal, elle ne l'eût jamais appris. Je n'aurais vu pour ma part aucun inconvénient, car nul n'est plus horripilant. À l'entendre, on se sent le même mal dedans que si on a mis un trop gros morceau de glace dans la bouche. Mais chez Albertine, jolie comme elle était, même mousmée ne pouvait être déplaisant. En revanche, il me parut révélateur, sinon d'une initiation extérieure, au moins d'une évolution interne. Malheureusement, il était l'heure et il fallut que je lui dise au revoir si je voulais qu'elle rentrât à temps pour son dîner et aussi que je me levasse assez tôt pour le mien. C'était Françoise qui le préparait. Elle n'aimait pas qu'il attendît. Il devait déjà trouver, contraire à un des articles de son code, qu'Albertine, en l'absence de mes parents, m'eût fait une visite aussi prolongée et qu'elle allait tout mettre en retard. Mais devant Mousmée, ses raisons tombèrent. Et je me hâtais de dire, imaginez-vous que je ne suis pas chatouilleux du tout. Vous pourriez me chatouiller pendant une heure, je ne le sentirais même pas. Vraiment, je vous assure.
Elle comprit sans doute que c'était l'expression maladroite d'un désir, car, comme quelqu'un qui vous offre une recommandation que vous n'osiez pas solliciter, mais dont vos paroles lui ont prouvé qu'elle pouvait vous être utile, « Voulez-vous que j'essaie ?» dit-elle avec l'humilité de la femme. « Si vous voulez, mais alors ce serait plus commode que vous vous étendiez tout à fait sur mon lit. » Comme cela, non, enfoncez-vous. Mais je ne suis pas trop lourde. Comme elle finissait cette phrase, la porte s'ouvrit et Françoise, portant une lampe, entra. Albertine n'eut que le temps de se rasseoir sur la chaise. Peut-être Françoise avait-elle choisi cet instant pour nous confondre, étant à écouter à la porte ou même à regarder par le trou de la serrure. Je n'avais pas besoin de faire une telle supposition. Elle avait pu dédaigner de s'assurer par les yeux de ce que son instinct avait dû suffisamment flairer. Car à force de vivre avec moi et mes parents, la crainte, la prudence, l'attention et la ruse avaient fini par lui donner de nous cette sorte de connaissance instinctive et presque divinatoire, car la mère du matelot, du chasseur le gibier, souvent de la maladie, sinon le médecin, du moins le malade, souvent. Tout ce qu'elle arrivait à savoir aurait pu stupéfier à aussi bon droit que l'état avancé de certaines connaissances chez les anciens, vu les moyens presque nuls d'information qu'ils possédaient. Les siens n'étaient pas plus nombreux. C'était quelques propos formant à peine le 20e de notre conversation à dîner, recueillis à la volée par le maître d'hôtel et inexactement transmis à l'office. Encore ces erreurs tenaient-elles plutôt comme les leurs, comme les fables auxquelles Platon croyait, à une fausse conception du monde et à des idées préconçues qu'à l'insuffisance des ressources matérielles. C'est ainsi que, de nos jours encore, les plus grandes découvertes dans le monde des insectes ont pu être faites par un savant qui ne disposait d'aucun laboratoire et nul appareil. Mais si les gènes qui résultaient de sa position de domestique ne l'avait pas empêché d'acquérir une science indispensable à l'art qui en était le terme et qui consistait à nous confondre en nous communiquant les résultats, la contrainte l'avait fait plus. Là, l'entrave ne s'était pas contentée de ne pas paralyser l'essor, elle y avait puissamment aidé. Sans doute Françoise ne négligeait aucun adjuvant, celui de la diction et de l'attitude, par exemple. Comme si elle ne croyait jamais ce que nous lui disions et que nous souhaitions qu'elle crût, elle admettait sans l'ombre d'un doute ce que toute personne de sa condition lui racontait de plus absurde et qui pouvait en même temps choquer nos idées. Autant sa manière d'écouter nos assertions témoignait de son incrédulité, autant l'accent avec lequel elle rapportait, car le discours indirect lui permettait de nous adresser les pires injures avec impunité, le récit d'une cuisinière qui lui avait raconté qu'elle avait menacé ses maîtres et en avait obtenu, en les traitant devant tout le monde de fumier, 1000 faveurs, montrait que c'était pour elle parole d'évangile. Françoise ajoutait même, « Moi, si j'avais été patronne, je me serais trouvée vexée. » Nous avions beau, malgré notre peu de sympathie originelle pour la dame du 4e, hausser les épaules comme à une fable invraisemblable à ce récit d'un si mauvais exemple. En le faisant, la narratrice savait prendre le cassant, le tranchant de la plus indiscutable et la plus exaspérante affirmation. Mais, surtout, comme les écrivains arrive souvent à une puissance de concentration
dont les eût dispensés le régime de la liberté politique ou de l'anarchie littéraire, quand ils sont ligotés par la tyrannie d'un monarque ou d'une poétique, par les sévérités d'une règle prosodique ou d'une religion d'État. Ainsi, Françoise, ne pouvant nous répondre d'une façon explicite, parlait comme Tirésias et eût écrit comme Tacite. Elle savait faire tenir tout ce qu'elle ne pouvait exprimer directement dans une phrase que nous ne pouvions incriminer sans nous accuser, dans moins d'une phrase même, dans un silence, dans la manière dont elle plaçait un objet. Ainsi, quand il m'arrivait de laisser, par mégarde sur ma table, au milieu d'autres lettres, une certaine qu'il n'eût pas fallu qu'elle vît, par exemple, parce qu'il y était parlé d'elle avec une malveillance qui en supposait une aussi grande à son égard chez le destinataire que chez l'expéditeur, le soir, si je rentrais inquiet et allais droit à ma chambre, sur mes lettres, rangées bien en ordre, en une pile parfaite, le document compromettant frappait tout d'abord mes yeux, comme il n'avait pas pu ne pas frapper ceux de Françoise, placé par elle tout en dessus, presque à part, en une évidence qui était un langage, avait son éloquence, et dès la porte me faisait tressaillir comme un cri. Elle excellait à régler ses mises en scène destinée à instruire si bien le spectateur Françoise absente, qu'il savait déjà qu'elle savait tout quand ensuite elle faisait son entrée. Elle avait, pour faire parler ainsi un objet inanimé, l'art, à la fois génial et patient, d'Irving et de Frédéric Lemaître. En ce moment, tenant au-dessus d'Albertine et de moi la lampe allumée, qui ne laissait dans l'ombre aucune des dépressions encore visibles que le corps de la jeune fille avait creusées dans le couvre-pied, Françoise avait l'air de la justice éclairant le crime. La figure d'Albertine ne perdait pas à cet éclairage. Il découvrait sur les joues le même vernis ensoleillé qui m'avait charmé à Balbec, ce visage d'Albertine, dont l'ensemble avait quelquefois dehors une espèce de pâleur blême, montrait au contraire au fur et à mesure que la lampe les éclairait, des surfaces si brillamment, si uniformément colorées, si résistantes et si lisses, qu'on aurait pu les comparer aux carnations soutenues de certaines fleurs. Surpris pourtant par l'entrée inattendue de Françoise, je m'écriai : « Comment ? Déjà à la lampe ? Mon Dieu, que cette lumière est vive ! » Mon but était sans doute par la seconde de ces phrases de dissimuler mon trouble, par la première d'excuser mon retard. Françoise répondit avec une ambiguïté cruelle : « Faut-il que j'éteinde ? » Teigne ! Glissa à mon oreille Albertine, me laissant charmer par la vivacité familière avec laquelle, me prenant à la fois pour maître et pour complice, elle insinua cette affirmation psychologique dans le ton interrogatif d'une question grammaticale. Quand Françoise fut sortie de la chambre et Albertine rassise sur mon lit, « Savez-vous ce dont j'ai peur ? » lui dis-je. C'est que si nous continuons comme cela, je ne puisse pas m'empêcher de vous embrasser. Ce serait un beau malheur. Je n'obéis pas tout de suite à cette invitation. Un autre lui-même put trouver superflu. Car Albertine avait une prononciation si charnelle et si douce
que rien qu'en vous parlant, elle semblait vous embrasser. Une parole d'elle était une faveur et sa conversation vous couvrait de baisers. Pourtant, elle m'était bien agréable, cette invitation. Elle me l'eût été même d'une autre jolie fille du même âge. Mais qu'Albertine me fût maintenant si facile, ça me causait plus que du plaisir, une confrontation d'images empreintes de beauté. Je me rappelais Albertine d'abord sur la plage, presque peinte sur le fond de la mer, n'ayant pas pour moi une existence plus réelle que ces visions de théâtre où l'on ne sait pas si l'on a affaire à l'actrice qui est censée apparaître ou à une figurante qui la double à ce moment-là ou à une simple projection. Puis la femme vraie s'était détachée du faisceau lumineux. Elle était venue à moi, mais simplement pour que je puisse m'apercevoir qu'elle n'avait nullement, dans le monde réel, cette facilité amoureuse qu'on lui supposait empreinte dans le tableau magique. J'avais appris qu'il n'était pas possible de la toucher, de l'embrasser, qu'on pouvait seulement causer avec elle, et que pour moi, elle n'était pas plus une femme que des raisins de jade, décoration incomestible des tables d'autrefois, ne sont des raisins. Et voici que dans un troisième plan, elle m'apparaissait réelle, comme dans la seconde connaissance que j'avais eue d'elle, mais facile, comme dans la première, facile, et d'autant plus délicieusement que j'avais cru si longtemps qu'elle ne l'était pas. Mon surplus de science sur la vie moins unie, moins simple que je l'avais cru d'abord, aboutissait provisoirement à l'agnosticisme. Que peut-on affirmer puisque ce qu'on avait cru probable d'abord s'est montré faux ensuite et se trouve en troisième lieu être vrai? Hélas, je n'étais pas au bout de mes découvertes avec Albertine. En tout cas, même s'il n'y avait pas eu l'attrait romanesque de cet enseignement d'une plus grande richesse de plans découverts l'un après l'autre par la vie, cet attrait inverse de celui que Saint-Loup goûtait pendant les dîners de Rivebelle, à retrouver parmi les masques que l'existence avait superposés dans une calme figure des traits qu'il avait jadis tenus sous ses lèvres. Savoir qu'embrasser les joues d'Albertine était une chose possible, c'était un plaisir peut-être plus grand encore que celui de les embrasser. Quelle différence entre posséder une femme sur laquelle notre corps seul s'applique parce qu'elle n'est qu'un morceau de chair, ou posséder la jeune fille qu'on apercevait sur la plage avec ses amis certains jours, sans même savoir pourquoi ces jours-là plutôt que tels autres. Ce qui faisait qu'on tremblait de ne pas la revoir. La vie vous avait complaisamment révélé tout au long le roman de cette petite fille. Vous avez prêté pour la voir un instrument d'optique et puis un autre, et ajouté au désir charnel un accompagnement qui le centuple et le diversifie. De ses désirs plus spirituels et moins assouvissables, qui ne sortent pas de leur torpeur, le laissent aller tout seul quand il ne prétend qu'à la saisie d'un morceau de chair, mais qui, pour la possession de toute une région de souvenirs, d'où ils se sentent nostalgiquement exilés, s'élèvent en tempête à côté de lui, grossissent, ne peuvent le suivre, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'assimilation impossible sous la forme où elle est souhaitée d'une réalité immatérielle, mais attendent ce désir à mi-chemin, au moment du souvenir, du retour, et lui font à nouveau escorte. Baiser
au lieu des joues de la première venue, si fraîche soit-elle, mais anonyme, sans secret, sans prestige, celle auquel j'avais si longtemps rêvé, serait connaître le goût, la saveur d'une couleur, bien souvent regardée. On a vu une femme, simple image dans le décor de la vie, comme Albertine profilée sur la mer. Et puis cette image, on peut la détacher, la mettre près de soi, et voir à peu son volume, ses couleurs. Comme si on l'avait fait passer derrière les verres d'un stéréoscope. C'est pour ça que les femmes un peu difficiles, qu'on ne possède pas tout de suite, dont on ne sait même pas tout de suite qu'on pourra jamais les posséder, sont les seules intéressantes. Car les connaître, les approcher, les conquérir, c'est faire varier de forme, de grandeur, de relief, l'image humaine. C'est une leçon de relativisme dans l'appréciation belle à réapercevoir quand elle a repris sa minceur de silhouette dans le décor de la vie. Les femmes qu'on connaît d'abord chez l'entremetteuse n'intéressent pas parce que elle reste invariable. D'autre part, Albertine tenait, liée autour d'elle, toutes les impressions d'une série maritime qui m'était particulièrement chère. Il me semblait que j'aurais pu, sur les deux joues de la jeune fille, embrasser toute la plage de Balbec. Si vraiment vous permettez que je vous embrasse, j'aimerais mieux remettre cela plus tard et bien choisir mon moment. Seulement, il ne faudrait pas que vous oubliez alors que vous m'avez permis. Ils me font un bon pour un baiser. Faut-il que je le signe? Et si je le prenais tout de suite, en aurais-je un tout de même plus tard? Vous m'amusez avec vos bons, je vous en ferai de temps en temps. Dites-moi, encore un mot. Vous savez, à Balbec, quand je ne vous connaissais pas encore, vous aviez souvent un regard dur, rusé. Vous ne pouvez pas me dire à quoi vous pensiez à ces moments-là? Je n'en ai aucun souvenir. Tenez, pour vous aider, un jour, votre amie Gisèle a sauté à pieds joints par-dessus la chaise où était assis un vieux monsieur. Tâchez de vous rappeler ce que vous avez pensé à ce moment-là. Gisèle était celle que nous fréquentions le moins. Elle était de la bande, si vous voulez, mais pas tout à fait. J'ai dû penser qu'elle était bien mal élevée et commune. Hein? C'est tout? J'aurais bien voulu, avant de l'embrasser, pouvoir la remplir à nouveau du mystère qu'elle avait pour moi sur la plage, avant que je la connusse. Retrouver en elle le pays où elle avait vécu auparavant, à sa place du moins. Si je ne le connaissais pas, je pouvais insinuer tous les souvenirs de notre vie à Balbec, le bruit du flot, déferlant sous ma fenêtre, les cris des enfants. Mais en laissant mon regard glisser sur le beau globe rose de ses joues, dont les surfaces doucement incurvées venaient mourir au pied des premiers plissements de ses beaux cheveux noirs, qui couraient en chaînes mouvementées, soulevaient leurs contreforts escarpés et modelaient les ondulations de leurs vallées. J'ai dû me dire, enfin, n'y ayant pas réussi à Balbec, enfin, je vais savoir le goût de la rose inconnue que sont les joues d'Albertine. Et puisque les cercles que nous pouvons faire traverser aux choses et aux êtres
pendant le cours de notre existence ne sont pas bien nombreux. Peut-être pourrais-je considérer la mienne comme en quelque manière accomplie, quand, ayant fait sortir de son cadre lointain le visage fleuri que j'avais choisi entre tous, je l'aurais amené dans ce plan nouveau, où j'aurais enfin de lui la connaissance par les lèvres. Je me disais cela parce que je croyais qu'il est une connaissance par les lèvres. Je me disais que j'allais connaître le goût de cette rose charnelle. Parce que je n'avais pas songé que l'homme, créature évidemment moins rudimentaire que l'oursin ou même la baleine, manque cependant encore d'un certain nombre d'organes essentiels et notamment n'en possède aucun qui serve au baiser. À cet organe absent, il supplée par les lèvres. Et par là arrive-t-il peut-être à un résultat un peu plus satisfaisant que s'il était réduit à caresser la bien-aimée avec une défense de corne. Mais les lèvres, pour amener au palais la saveur de ce qui les tente, doivent se contenter, sans comprendre leur erreur et sans avouer leur déception, de vaguer à la surface et de se heurter à la clôture de la joue impénétrable et désirée. D'ailleurs, à ce moment-là, au contact même de la chair, les lèvres, même dans l'hypothèse où elles deviendraient plus expertes et mieux douées, ne pourraient sans doute pas goûter davantage la saveur que la nature les empêche actuellement de saisir, car dans cette zone désolée où elles ne peuvent trouver leur nourriture, elles sont seules. Le regard puis l'odorat les ont abandonnées depuis longtemps. D'abord, au fur et à mesure que ma bouche commença à s'approcher des joues que mes regards lui avaient proposé d'embrasser, ceux-ci se déplaçant virent des joues nouvelles. Le cou, aperçu de plus près et comme à la loupe, montra dans ses gros grains une robustesse qui modifia le caractère de la figure. Les dernières applications de la photographie, qui couchent au pied d'une cathédrale toutes les maisons qui nous parurent si souvent de près, presque aussi hautes que les tours, font successivement manœuvrer comme un régiment, par file, en ordre dispersé, en masse serrée, les mêmes monuments, rapprochent l'une contre l'autre les deux colonnes de la piazzetta, tout à l'heure si distantes. Éloigne l'approche, salute, et dans le fond pâle et dégradé, réussissent à faire tenir un horizon immense sous l'arche d'un pont, dans l'embrasure d'une fenêtre, entre les feuilles d'un arbre situé au premier plan et d'un ton plus vigoureux, donnent successivement pour cadre à une même église les arcades de toutes les autres. Je ne vois que cela, qui puisse autant que le baiser faire surgir de ce que nous croyons une chose à aspect défini, laissant autre chose qu'elle est tout aussi bien, puisque chacune est relative à une perspective non moins légitime. Bref, de même qu'à Balbec, Albertine m'avait souvent paru différente, maintenant, comme si en accélérant prodigieusement la rapidité des changements de perspective et des changements de coloration que nous offre une personne dans nos diverses rencontres avec elle, j'avais voulu les faire tenir toutes en quelques secondes pour recréer expérimentalement le phénomène qui diversifie l'individualité d'un être et tirer les unes des autres, comme d'un étui, toutes les possibilités qu'il enferme dans ce court trajet de mes lèvres vers sa joue. C'est 10 Albertine que je vis. Cette seule jeune fille était comme une déesse à plusieurs têtes, celle que j'avais vue en dernier. Si je tentais de m'approcher d'elle, faisait place à une autre. Du moins, tant que je ne l'avais pas touchée, cette tête, je la voyais. Un léger parfum venait d'elle jusqu'à moi. Mais, hélas, car pour le baiser,
Nos narines et nos yeux sont aussi mal placés que nos lèvres mal faites. Tout d'un coup, mes yeux cessèrent de la voir. À son tour, mon nez s'écrasant, ne perçut plus aucune odeur. Et sans connaître pour cela davantage le goût du rose désiré, j'appris à ces détestables signes qu'enfin j'étais en train d'embrasser la joue d'Albertine. Était-ce parce que nous jouions, figurés par la révolution d'un solide, la scène inverse de celle de Balbec, que j'étais moi couché et elle levée, capable d'esquiver une attaque brutale et de diriger le plaisir à sa guide, qu'elle me laissa prendre avec tant de facilité maintenant ce qu'elle avait refusé jadis avec une mine si sévère. Sans doute cette mine d'autrefois, l'expression voluptueuse que prenait aujourd'hui son visage à l'approche de mes lèvres ne différait que par une déviation de ligne infinie des images, mais dans lesquelles peut tenir toute la distance qu'il y a entre le geste d'un homme qui achève un blessé et d'un qui le secourt, entre un portrait sublime et affreux. Sans savoir si j'avais à faire honneur et à savoir gré de son changement d'attitude à quelque bienfaiteur involontaire qui, un de ces mois derniers, à Paris ou à Balbec, avait travaillé pour moi. Je pensais que la façon dont nous étions placés était la principale cause de ce changement. C'en fut pourtant une autre que me fournit Albertine, exactement celle-ci. Ah, c'est qu'à ce moment-là, à Balbec, je ne vous connaissais pas encore. Je pouvais croire que vous aviez de mauvaises intentions. Cette raison me laissa perplexe. Albertine me la donna sans doute sincèrement. Une femme a tant de peine à reconnaître dans les mouvements de ses membres, dans les sensations éprouvées par son corps au cours d'un tête-à-tête avec un camarade, la faute inconnue, où elle tremblait qu'un étranger préméditât de la faire tomber. En tout cas, quelles fussent les modifications survenues depuis quelque temps dans sa vie et qui eussent peut-être expliqué qu'elle eût accordé aisément à mon désir momentané et purement physique ce qu'à Balbec elle avait, avec horreur, refusé à mon amour. Une bien plus étonnante se produisit en Albertine, ce soir-là même. Aussitôt que ses caresses eurent amené chez moi la satisfaction dont elle dut bien s'apercevoir, dont j'avais même craint qu'elle ne lui causât le petit mouvement de répulsion et de pudeur offensée que Gilberte avait eu à un moment semblable derrière le massif de laurier aux Champs-Élysées. Ce fut tout le contraire. Déjà, au moment où je l'avais couchée sur mon lit, où j'avais commencé à la caresser, Albertine avait pris un air que je ne lui connaissais pas, de bonne volonté, docile, de simplicité presque puérile, effaçant d'elle toute préoccupation, toute prétention habituelle, le moment qui précède le plaisir. Pareil en cela à celui qui suit la mort, avait rendu à ses traits rajeunis comme l'innocence du premier âge. Et sans doute, tout être dont le talent est soudain mis en jeu devient modeste, appliqué et charmant. Surtout si, par ce talent, il sait nous donner un grand plaisir, il en est lui-même heureux, veut nous le donner bien complet. Mais dans cette expression nouvelle du visage d'Albertine, il y avait plus que du désintéressement et de la conscience, de la générosité professionnelle, une sorte de dévouement conventionnel et subi.
et c'est plus loin qu'à sa propre enfance, mais à la genèse de sa race qu'elle était revenue. Bien différente de moi, qui n'avait rien souhaité de plus qu'un apaisement physique, enfin obtenu, Albertine semblait trouver qu'il y eut de sa part quelque grossièreté à croire que ce plaisir matériel alla sans un sentiment moral et termina quelque chose. Elle s'y pressait tout à l'heure, maintenant sans doute et parce qu'elle trouvait que les baisers impliquent l'amour et que l'amour l'emporte sur tout autre devoir. Disait quand je lui rappelais son dîner, mais ça ne fait rien du tout, voyons, j'ai tout mon temps. Elle semblait gênée de se lever tout de suite après ce qu'elle venait de faire. Gênée par bienséance, comme Françoise. Quand elle avait cru, sans avoir soif, devoir accepter avec une gaieté décente le verre de vin que Jupien lui offrait, n'aurait pas osé partir aussitôt la dernière gorgée bue, quelque devoir impérieux qui l'eût appelé. Albertine essaie peut-être, avec une autre que l'on verra plus tard, une des raisons qui m'avait fait, à mon insu, fait la désirer. Était alors une incarnation de la petite paysanne française dont le modèle est en pierre à Saint-André-des-Champs. De Françoise, qui devait pourtant, bientôt, devenir sa mortelle ennemie. Je reconnus en elle la courtoisie envers l'hôte et l'étranger, la décence, le respect de la couche. Françoise, qui après la mort de ma tante ne croyait pouvoir parler que sur un ton apitoyé, dans les mois qui précédèrent le mariage de sa fille, eut trouvé choquant quand celle-ci se promenait avec son fiancé qu'elle ne le tînt pas par le bras. Et Albertine, immobilisée auprès de moi, me disait « Vous avez de jolis cheveux, vous avez de beaux yeux, vous êtes gentil. » Comme lui ayant fait remarquer qu'il était tard, j'ajoutais, vous ne me croyez pas? Elle me répondit, ce qui était peut-être vrai, mais seulement depuis 2 minutes et pour quelques heures. Je vous crois toujours. Elle me parla de moi, de ma famille, de mon milieu social. Elle me dit, oh, je sais que vos parents connaissent des gens très bien. Vous êtes amie de Robert Forestier et de Suzanne Delage. À la première minute, ces noms ne me dirent absolument rien. Mais tout d'un coup, je me rappelais que j'avais, en effet, joué aux Champs-Élysées avec Robert Forestier, que je n'avais jamais revu. Quant à Suzanne Delage, c'était la petite nièce de Madame Blandet. J'avais dû une fois aller à une leçon de danse, même tenir un petit rôle dans une comédie de salon chez ses parents, mais la peur d'avoir le fou rire et des saignements de nez m'en avait empêchée, de sorte que je ne l'avais jamais revue. J'avais tout au plus cru comprendre qu'autrefois, l'institutrice à Plumet des Swann avait été chez ses parents. Mais peut-être n'était-ce qu'une sœur de cette institutrice, ou une amie. Je protestais à Albertine que Robert Forestier et Suzanne Delage tenaient peu de place dans ma vie. Mais c'est possible, vos mères sont liées. Ça permet de vous situer. Je crois souvent Suzanne Delage avenue de Messine, elle a du chic. Nos mères ne se connaissaient que dans l'imagination de Madame Bontemps, qui, ayant su que j'avais joué jadis avec Robert Forestier, auquel, paraît-il, je récitais des vers, en avait conclu que nous étions liés par des relations de famille. Elle ne laissait jamais, m'a-t-on dit, passer le nom de maman sans dire « Ah oui, c'est le milieu des Delage et des Forestiers, etc. etc. » donnant à mes parents un bon point qu'ils ne méritaient pas. Du reste, les notions sociales d'Albertine étaient d'une sottise extrême. Elle croyait les Simonets avec deux N
inférieure non seulement au Simonet avec un seul N, mais à toutes les autres personnes possibles. Que quelqu'un ait le même nom que vous, sans être de votre famille, est une grande raison de le dédaigner. Certes, il y a des exceptions. Il peut arriver que deux Simonets présentés l'un à l'autre dans une de ces réunions où l'on éprouve le besoin de parler de n'importe quoi. Et on se sent d'ailleurs plein de dispositions optimistes, comme par exemple dans le cortège d'un enterrement qui se rend au cimetière. Voyant qu'ils s'appellent d'eux-mêmes, cherchent avec une bienveillance réciproque et sans résultat qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Mais ce n'est qu'une exception. Beaucoup d'hommes sont peu honorables, mais nous l'ignorons, ou nous n'en avons cure. Mais si l'homonymie fait qu'on nous remet des lettres à eux destinées ou vice-versa, nous commençons par une méfiance, souvent justifiée, quant à ce qu'ils valent. Nous craignons des confusions, nous les prévenons par une moue de dégoût si l'on nous parle d'eux. En lisant notre nom porté par eux dans le journal, ils nous semblent l'avoir usurpé. Les péchés des autres membres du corps social nous sont indifférents, nous en chargeons plus lourdement nos homonymes. La haine que nous portons aux autres Simonets est d'autant plus forte qu'elle n'est pas individuelle, mais se transmet héréditairement. Au bout de deux générations, on se souvient seulement de la moue insultante que les grands-parents avaient à l'égard des autres Simonets. On ignore la cause, mais on ne serait pas étonné d'apprendre que cela a commencé par un assassinat. Jusqu'au jour fréquent, où une Simonet et un Simonet qui ne sont pas parents du tout, cela a fini par un mariage. Non seulement Albertine me parla de Robert Forestier et de Suzanne Delage, mais spontanément par un devoir de confidence que le rapprochement des corps crée, au début du moins, avant qu'il ait engendré une duplicité spéciale et le secret envers le même être, Albertine me raconta sur sa famille et un oncle d'André une histoire dont elle avait à Balbec refusé de me dire un seul mot, mais elle ne pensait pas qu'elle dût paraître avoir encore des secrets à mon égard. Maintenant, sa meilleure amie lui racontait quelque chose contre moi, qu'elle se fût fait un devoir de me le rapporter. J'insistais pour qu'elle rentrât. Elle finit par partir. Mais si confuse pour moi, de ma grossièreté, qu'elle riait presque pour m'excuser, comme une maîtresse de maison chez qui on va en veston, qui vous accepte ainsi, mais à qui cela n'est pas indifférent. « Vous riez ?» lui dis-je. « Je ne ris pas, je vous souris, » me répondit-elle tendrement. « Quand est-ce que je vous revois ?» ajouta-t-elle, comme n'admettant pas que ce que nous venions de faire, puisque c'en est d'habitude le couronnement, ne fut pas au moins le prélude d'une amitié grande, d'une amitié préexistante, et que nous nous devions de découvrir, de confesser, et qui seul pouvait expliquer ce à quoi nous nous étions livrés. Puisque vous m'y autorisez, quand je pourrai, je vous ferai chercher. Je n'osais lui dire que je voulais tout subordonner à la possibilité de voir Madame de Stermaria. Et là, ce sera à l'improviste, je ne sais jamais à l'avance, lui dis-je. Serait-ce possible que je vous fisse chercher le soir quand je serai libre? Ah, ce sera très possible bientôt, car j'aurai une entrée indépendante de celle de ma tante. En tout cas, je viendrai à tout hasard, demain, ou après-demain, dans l'après-midi. Vous me recevrez que si vous le pouvez. Arrivé à la porte, étonnée que je ne l'eusse pas devancée, elle me tendit sa joue, trouvant qu'il n'y avait nul besoin d'un grossier désir physique pour que maintenant nous nous embrassions. Comme les courtes relations que nous avions eues tout à l'heure ensemble étaient de celles auxquelles conduisent parfois une intimité absolue et un choix du cœur, Albertine avait cru devoir improviser et ajouter
momentanément, aux baisers que nous avions échangés sur le lit. Le sentiment. Ont-ils été le signe pour un chevalier et sa dame, tels que pouvait les concevoir un jongleur gothique. Quand m'eut quitté la jeune picarde qu'aurait pu sculpter à son porche l'imagier de Saint-André-des-Champs, Françoise m'apporta une lettre qui me remplit de joie, car elle était de madame de Stermaria, laquelle acceptait à dîner. De madame de Stermaria, c'est-à-dire pour moi plus que la madame de Stermaria réelle, de celle à qui j'avais pensé toute la journée avant l'arrivée d'Albertine. C'est la terrible tromperie de l'amour qu'il commence par nous faire jouer avec une femme non du monde extérieur, mais avec une poupée intérieure à notre cerveau, la seule d'ailleurs que nous ayons toujours à notre disposition, la seule que nous posséderons, que l'arbitraire du souvenir presque aussi absolu que celui de l'imagination peut avoir fait aussi différente de la femme réelle que du Balbec réel avait été pour moi le Balbec rêvé. Création factice à laquelle, peu à peu, pour notre souffrance, nous forcerons la femme réelle à ressembler.